Et on va s'intéresser aux cigares dans ce journal, car figurez-vous que la Belgique serait le premier producteur au monde de cigares. Cela peut surprendre et pourtant, cela dit, premier producteur ne signifie évidemment pas premier consommateur. Pour le Belge, fumer le cigare reste occasionnel. Alison Delpierre. Le cigare, un symbole, John Fitzgerald Kennedy, Che Guevara ou encore Jacques Dutronc, ce point commun. Et même chez les femmes, l'actrice Sharon Stone est elle aussi une grande amatrice de Havane. Cubain, nicaraguayen ou encore hondurien, le cigare se savoure et s'apprécie. Ça peut être des arômes de miel, des arômes d'écurie, des arômes de terre, des arômes de poivre, poivre blanc, poivre noir. Un très bon cigare, il a souvent une odeur de chocolat. Réussite affichée ou encore snobisme, le cigare est souvent connoté. Question prix, il faut compter entre 50 centimes et 40 euros le cigare et les amateurs viennent de tous horizons. J'ai aussi bien des, entre guillemets, des SDF, c'est le cas, que des patrons évidemment, donc tout en toute origine, aussi bien au point de vue sexe que ça des hommes, des femmes. Donc c'est vraiment le, tout le monde peut apprécier un cigare comme tout le monde peut apprécier un bon vin. La consommation de cigares est en baisse. En effet, en 2000, 600 millions de cigares et cigarios ont été vendus en Belgique. En 2013, c'est presque 50% de moins. Mais le mode de consommation a changé. On vend beaucoup moins de cigares qu'avant, la quantité est beaucoup moindre. Mon chiffre d'affaires, par contre, n'est pas en baisse. Donc les gens fument de moins en moins, mais fument de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'avant, ils allaient fumer une petite boîte de cigarios sur leur journée. Mais non, ils n'ont plus le temps parce qu'on ne peut plus fumer où on veut. Et donc, ils vont s'offrir plutôt un très bon cigare une fois par semaine. Les cigares, ils sont plus courts parce que c'est vrai, il y a beaucoup de restrictions aussi en Belgique aujourd'hui. On n'a pas envie de rester dehors avec une grande cigare pour une demi-heure. Ça, c'est le 1. Et le deuxième trend, c'est clairement aussi, c'est les cigares plus forts. Le cigare cubain, le Havane, fabriqué à la main, est sans aucun doute le plus connu et toujours le plus apprécié. Mais le saviez-vous, la Belgique est pourtant le plus gros producteur de cigares au monde. On fabrique toutes les semaines ce que Cuba fabrique tous les ans. Ce chose, c'est, chez nous, ce sont des machines, ce ne sont pas des rouleurs ou des rouleuses de cigares. Donc la Belgique est toujours le premier fabricant de cigares au monde. On fabrique plusieurs milliards de cigares par an en Belgique. Le marché mondial représente 10 milliards de cigares par an. La Belgique se révèle être le numéro 1, une position de leader méconnue chez nous.